cette semaine a été initiée ici à Marseille par les collectivités, par la Chambre, par un ensemble de partenaires qui ont joué vraiment un jeu ensemble, un jeu collectif qui a permis à cette manifestation d'avancer. C'est un vrai bel exemple de diplomatie économique méditerranéenne. Et le fait nouveau ici, c'est qu'apparaît aujourd'hui une métropole en construction. Aix-Marseille-Provence a une mission en tant que métropole à l'international. Sa mission, c'est sur la Méditerranée, aux côtés des autres acteurs, bien évidemment. Et notre objectif, c'est d'être la tête de pont de la France vis-à-vis de la Méditerranée, au sens très large du terme, jusqu'à l'Afrique. On persiste et on signe, si je peux me permettre cette expression. La semaine économique de la Méditerranée apporte beaucoup en matière de contact sur le plan diplomatique, apporte beaucoup en matière de contact sur le plan économique. La semaine économique de la Méditerranée se concentre sur le phénomène numérique, il touche déjà l'Europe entière, hein, et il est une ouverture et une opportunité de business pour l'ensemble de la Méditerranée jusqu'à l'Afrique. En même temps, la CCI, elle apporte à l'ensemble des entreprises, c'est sa vocation, un accompagnement absolument indispensable à l'ensemble du tissu économique du territoire sur l'introduction ou sur les conséquences, les opportunités aussi, du numérique et du digital dans leur propre entreprise. Ça n'a pas tout bouleversé, mais on a intérêt, quand on est patron d'une entreprise, à regarder, à mesurer ce qui est opportunité et ce qui est menace dans le business model que l'on utilise. La CCI s'est accaparée ce sujet et est un véritable conseil des entrepreneurs par rapport à ça. C'est un peu la base avancée, si je peux dire, de la révolution numérique qui est en train de se passer ici, d'autant que Marseille est un vrai hub international en matière de réseau, en matière de câbles, hein, si je peux dire. On est placé d'une manière absolument stratégique pour accompagner à la fois ici en territoire et à l'étranger, notamment dans le bassin méditerranéen, le développement du numérique.